toujours des gens qui meurent d'Omicron, que ce n'est pas un rhume. À titre d'exemple, en France, en 2022, on a eu entre 30 et 40 000 décès dus à Omicron. Les gens qu'on voit aujourd'hui à l'hôpital sont bien évidemment des gens âgés et des gens avec des comorbidités. Sans être dramatique, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on sait que ça commence toujours comme ça et que parfois les vagues, elles rajeunissent. Donc encore une fois, plus le virus va circuler, plus on risque d'avoir un pourcentage de formes sévères. Et donc quelque part, on est dans une urgence parce que pour ces gens-là, malheureusement, dans les 15 prochains jours, il n'est pas exclu qu'ils se contaminent. Donc clairement, gagner 15 jours sur ce délai initialement d'un mois, c'est beaucoup. Mais faut-il encore que ce temps imparti, il serve à convaincre les gens? Tout ne peut pas reposer sur le vaccin, comme tout ne pouvait pas reposer que sur les gestes barrières. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des traitements. Et donc, il faut faire en sorte que, j'allais dire, ce trépied, gestes barrières, vaccins, consultations et prescription éventuelle d'un traitement puisse se faire dans les bonnes conditions. Et donc la nouveauté en quelque sorte cet hiver 2023, c'est que je pense qu'il faut qu'on soit capable de travailler dans les bonnes conditions médecins en ville et à l'hôpital pour faire un diagnostic et proposer le traitement le plus adéquat. Et ça, à mon avis, c'est une marche qu'on n'a jamais vraiment franchie. Je sais qu'en France, les antiviraux en réalité sont très peu prescrits.